Bonjour à tous. Euh, je suis Florian Ponce, donc euh, j'ai créé Jungle VR, qui est un studio de réalité virtuelle dédié à la formation et euh, notamment la prévention. Il y a deux ans, donc voilà. Aujourd'hui, on va aborder euh, de quelle manière la, la réalité virtuelle euh, révolutionne la formation et notamment ses aspects euh, prévention, santé, et sécurité au travail. Globalement, euh, je, je, évidemment, on va parler de la prévention, mais on va aussi parler des formations. J'imagine qu'il y a des personnes euh, qui veulent aussi en savoir un peu plus sur la formation en réalité virtuelle dans d'autres secteurs. Et puis plus globalement, ce que la réalité virtuelle peut apporter euh, aux ressources humaines, puisqu'il y a d'autres gros avantages de la réalité virtuelle autour de différents secteurs. On va bien sûr parler euh, de la prévention. Euh, Petite historique, 1975, premier PC vendu, avril 2016, premier HTC vendu. Et on va voir qu'on met moins de temps euh, à passer donc, à la formation sur euh, les cases de VR qu'il en a fallu euh, sur les PC. Donc voilà, les, les usages, le changement euh, grâce à la technologie euh, apparaît dans les entreprises beaucoup plus rapidement aujourd'hui et, euh, et c'est une bonne chose. Très, bref, euh, très brève explication des casques. On a le 3D temps réel, c'est de, de la réalité virtuelle euh, dans laquelle on peut faire des mouvements, se déplacer et attraper des objets. On a d'autres casques euh, qui permettent simplement bah, de visionner ce qu'on a autour de nous, c'est interactif également, c'est de la VR, mais on ne peut pas attraper d'objets. Et, en fait, et ensuite, on a la réalité augmentée, donc qui vous permet d'avoir une couche holographique au-dessus, de, de vos outils de travail. Voilà. Petit récap. Ensuite, euh, les avantages donc, sur la formation en réalité virtuelle, c'est réduire les coûts, supprimer les risques, ça va nous intéresser, rendre les formations plus engageantes et supprimer les coûts de déplacement. Sur la marque employeur, c'est s'immerger dans les espaces de travail partout dans le monde, partager la vision du travail au sein de l'entreprise et réaliser des entretiens d'embauche à distance. Et enfin, la gestion des talents, c'est donc faire découvrir la culture d'entreprise, les valeurs de votre organisation, les process internes, les ressources disponibles et donc les autres secteurs de l'entreprise. Aujourd'hui, la VR, c'est le, est, est le numéro un des nouveaux modes d'apprentissage qui sont plébiscités donc, par les professionnels de la formation. 73% parlent de priorité même par rapport aux autres modes de learning. Alors on va voir pourquoi. Même si tout le monde aujourd'hui est convaincu que la réalité virtuelle, donc cette immersion, permet de mieux se former parce que c'est en faisant qu'on retient, euh, on, on nous demande tout de même régulièrement. Mais est-ce que vous avez de la data pour le prouver Alors ils en sont convaincus, mais on demande de la data et on demande évidemment un retour d'expérience, ce qui est normal. Euh, il y a Daydream, le dream Lab, donc qui est un, un lab de Google, a fait euh, un test. C'était très simple d'apprendre à réaliser un expresso donc sur une machine professionnelle. Vous pouviez pratiquer autant de temps que vous vouliez. Donc, il y avait un premier groupe qui se formait en regardant des vidéos YouTube. Euh, et il y avait un deuxième groupe donc, qui pratiquait en réalité virtuelle en se basant donc, sur un tutoriel VR comme les formations VR euh, que, que vous pouvez voir aujourd'hui. Alors, déjà, ils ont moins pratiqué en VR, c'est-à-dire qu'ils ont retenu plus facilement, plus rapidement en tout cas, donc deux fois plutôt que trois fois sur YouTube. Et en fait, au final, non seulement ceux qui ont suivi l'apprentissage en VR l'ont appris plus rapidement, mais ils ont commis moins d'erreurs que ceux qui ont suivi la formation en vidéo. Et ils ont été, par la suite, donc dans le réel, plus efficaces, puisque plus rapides euh, à réaliser un expresso. Donc, voilà. Désormais, ne plus se demander si oui ou non ça fonctionne. Euh, clairement, nous, sur les formations qu'on déploie pour euh, nos clients et donc Là, une étude qui a été faite, on voit que oui, euh, oui, ça fonctionne. Ensuite, ce que demandent, en fonction de la taille des entreprises, les, euh, les responsables de formation, c'est est-ce que euh, les les, la VR, c'est pour tout type d'entreprise On nous dit maintenant, c'est que pour l'industrie, les boîtes du CAC 40, les grosses boîtes. En réalité, euh, l'intérêt, en fonction de la taille des entreprises, finalement, c'est assez euh, bien réparti. Alors, évidemment, il y a un gros focus sur les grosses entreprises. Un, parce qu'elles ont les moyens, et deux, parce que dans l'industrie, forcément, faire les choses, c'est intéressant en VR. Mais des plus petites entreprises, notamment sur des formations sur étagères, donc qui sont déjà disponibles, si vous êtes une boîte dans le BTP et que vous avez 10 employés, et vous pouvez prendre des licences et former vos employés ou vos intérimaires sur, sur des formations VR. Les usages donc, 97% des professionnels de la formation voient la VR comme un outil d'amélioration. Et 91 comptent l'utiliser dans leur entreprise, dont plus d'un tiers cette année. Donc il y a une vraie prise de conscience de, de, des avantages de la réalité virtuelle. Les trois plus gros avantages, alors du point de vue de l'entreprise cette fois-ci, quand on questionne euh, les, les, les personnes dans l'entreprise, c'est plus engageant. Donc c'est intéresser leurs employés euh, à se former. Parce qu'il euh, y a des formations obligatoires, mais est-ce qu'ils ont envie, souvent, on l'a vu, hein, les LMS sont bourrés de, 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 de formations mais les gens ne les utilisent peu finalement. Donc, euh, donc voilà, l'engagement, réaliser des formations risquées, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et rendre l'entreprise plus innovante, ça c'est un plus, et c'est plutôt bien pour recruter. On va quand même parler des freins à la VR. On a vu, pardon, on a vu que ça fonctionnait, mais il y a tout de même des freins. C'est le coût perçu et non pas le coût réel, parce qu'en réalité, beaucoup sont étonnés euh, du coût, qui n'est pas si élevé que ça par rapport à des modules e-learning, et ne savent pas comment utiliser la VR. Alors, ils savent comment l'utiliser, il y a des questions qui se posent par rapport au déploiement. Euh, J'ai 10, 10 centres dans, en France, je suis à l'étranger, euh, je n'ai pas d'espace, etc. Et donc, on accompagne ce déploiement en, dé, en amont, en, fait, en, en essayant de comprendre combien de personnes doivent être formées, où elles doivent être formées, de quelle manière, et ensuite, on choisit euh, des devices différents. Donc il n'y a pas de meilleur device, donc de casque, d'appareil, mais ça va vraiment dépendre de quel message, la pédagogie et le déploiement. Les formations donc, qui, qui plaisent, qui, amener, qui amènent à la VR, c'est compétences techniques, formation à la sécurité en entreprise, onboarding, orientation des nouveaux employés, et les soft skills. Je vais faire un tout petit aparté ensuite sur les soft skills. Donc... La question que tout le monde se pose, c'est la formation santé et sécurité de demain. Donc, sera-t-elle 100% immersive Alors, on a des débuts de réponse, évidemment. On, on ne sait pas tout, on ne sait pas comment sera le, le futur, mais on, on se rend compte quand même que la VR remplacera à terme la majeure partie des e-learning euh, et remplacera une partie des formations présentielles. Pourquoi une partie Parce qu'en fait, elle va les rendre plus efficaces, elle va donner plus de temps aux préventeurs, aux formateurs, pour se concentrer sur l'essentiel. Et euh, on le voit sur des journées de, de 7 heures de formation en présentiel, il y a une grosse partie qui est de se présenter, se poser des questions, etc. Des choses que, finalement, le préventeur, il est là pour créer un climat, mais euh, il y a énormément de choses qui peuvent être faites en VR, euh, notamment euh, l'évaluation. Donc, la mise en situation réelle, en fait, où on ne peut pas la faire. Donc, forcément, c'est complémentaire de, du, du, du présentiel. Et ensuite, euh, si on, on, on voit dans une entreprise donc de enfin, on a un, un spécialiste de la formation qui va dire que votre employé est, est, est habilitable, vous pourrez désormais, vous, l'habiliter euh, grâce à l'évaluation. Ce qui est. Les, donc. Euh, Grâce justement à cette mise en situation réelle, on va pouvoir, les entreprises vont pouvoir donc tutoyer le, le, le Graal, c'est l'objectif du zéro accident dans les, dans les entreprises, dans les factories, l'usine 4.0, dans le BTP notamment, en créant ces accidents en VR et afin qu'ils ne se reproduisent plus et que sa marque et la, euh, la personne qui se forme, l'apprenant, dans, dans l'entreprise. Globalement, la VR va rendre l'entreprise plus sûre pour les employés. Ça, c'est une capture d'écran où on voit donc un environnement en réalité virtuelle et un apprenant qui a été filmé, il y a une captation sur un fond vert. Ça, c'est assez intéressant, notamment pour les TMS, donc les troubles musculosquelettiques, où le préventeur et donc l'expert va pouvoir ensuite, avec une vidéo, non seulement analyser ce qu'a vu la personne et les gestes qu'elle a faits, donc dans un entrepôt comment elle a porté des caisses, comment elle se forme, mais également ensuite voir ses postures dans l'environnement et elle va pouvoir les corriger. Donc ça, c'est vraiment une, une, une belle évolution euh, euh, sur les TMS. Je vais vous montrer quand même un petit extrait vidéo. Voilà, donc là c'était un court extrait pour vous montrer. Donc, on est bien dans la, dans la prévention. On peut, plutôt que de cocher des cases en disant oui, j'ai mis mes EPI, oui, il faut mettre mes EPI, etc., on va pouvoir vraiment mais laisser dans une salle l'apprenant seul et puis monitorer s'il va sur le chantier, par exemple. Euh, bah, avec tous ses EPI, s'il oublie ses, bottes, ses chaussures de sécurité, s'il oublie euh, son casque, etc. Donc ça permet de le noter et ensuite, bah, de, de lui en parler, et en tout cas de, le, de lui faire prendre conscience s'il prend un objet une fois dans le chantier en réalité virtuelle sur la tête, mais que le casque, évidemment, euh, c'est essentiel. Rapidement, euh, les différentes, je vous ai dit que je vous parlerai également des soft skills. Euh, on vient de développer pour le groupe donc, BPCE, ITCE, qui est la, la filiale euh, IT, une formation de gestion de projet Agile Scrum. Ça, c'est pour les questions donc, plus sur la formation, sur les soft skills. Donc, euh, on fait une démo, évidemment, sur, euh, sur notre stand. Mais c'est pour vous montrer aussi qu'au-delà de la formation euh, auquel tout le monde pense, c'est-à-dire plus technique, on peut, dans les soft skills, immerger. L'apprenant, mais euh, autour, dans, dans, dans une scène réelle, c'est-à-dire il est sur un plateau agile, il voit ses collègues, il y a des interactions et ensuite c'est interactif. Il va répondre à des questions et donc on va également pouvoir un peu suivre sa compréhension de la formation. Vous avez vu des extraits également donc, pour FAYA, le quatrième groupe de BTP en France, qui euh, a voulu montrer lors du salon des maires la ville connectée. Donc vous allez pouvoir, vous avez pu aller dans les égouts, prendre des prises de mesure. Euh, changer une LED euh, donc, euh, sur un lampadaire euh, dans Paris, donc, etc. C'est euh, différents métiers, la technique, avec toujours euh, vérifier qu'on a ces EPI. Prévention BTP, ça c'est une formation qu'on développe également euh, avec Faya, et donc qui est une formation sur étagère, donc sur laquelle vous devez identifier et hiérarchiser et corriger différents risques. Donc c'est vraiment la chasse aux risques, classique, cette fois-ci en VR, donc en immersion, chute de hauteur par exemple, si vous n'êtes pas attaché ou si vous travaillez sur un escabeau, ce qui est évidemment interdit, on va simuler une chute et la personne sera réellement traumatisée, alors elle va s'en remettre, mais elle va vraiment vivre la chute dans le casque et normalement elle ne devrait pas refaire l'erreur parce qu'elle a senti un vrai accident dans la réalité virtuelle. Voilà des extraits. Formation, alors sécurité incendie, là c'est moins sectorisé puisque c'est une formation également sur étagère où tout, tout a, toute personne, tout salarié d'une entreprise euh, bah, aujourd'hui euh, doit ou devrait en tout cas se former euh, pour pouvoir bah, rapidement euh, intervenir sur un feu, prendre le bon extincteur et puis évidemment euh, se mettre en sécurité, mettre ses collègues en sécurité et évacuer de la bonne manière. Donc rien de mieux que d'être face au feu et, et qu'il y ait de la fumée et qui est... Voilà, essayer d'être dans un environnement, euh, dans un environnement euh, presque réel. Et ensuite, voilà, TMS, je ne vais pas détailler, et évidemment habilitation euh, risque électrique également. Euh, les questions, alors je devance un peu les questions sur la méthodologie, comment aujourd'hui un projet VR se fait. En fait, il faut vous définissez un objectif, c'est-à-dire... Euh, quel est l'objectif pédagogique que vous voulez atteindre Vous nous livrez votre cahier des charges. Euh, ensuite, la pédagogie, nous, on va amener notre cahier des charges qui va créer un cahier des charges du projet, c'est-à-dire quelle immersion, quelle présence, les types d'interactions, feedback sonore et visuel, la confirmation grâce à ça du soft et du hard, et ne pas partir justement du soft ou du hard. Design, développement, livraison d'un pilote, déploiement, évaluation, amélioration. Pourquoi je dis ça Parce que c'est important de ne pas se faire griser par la technologie et de de mettre la technologie au service de l'atteinte de l'objectif pédagogique. Et, euh, et c'est vraiment important. Une chose à retenir, c'est vraiment ce contenu et cette pédagogie. C'est vraiment les clés de la réussite de vos formations en réalité virtuelle. Euh, alors évidemment, il faut trouver un studio euh, qui maîtrise bien, parce que c'est assez complexe, mais il faut, surtout, euh, il faut surtout oublier cette techno et vraiment s'en servir. Euh, en un mot, j'ai une slide, Jungle VR, donc ça fait deux ans qu'on existe. On est plus de 15 employés, on a 30 réalisations. On vient d'ouvrir un bureau en Angleterre. Et donc on travaille avec des, plutôt des grosses boîtes, des grosses boîtes dans la formation et plutôt des grosses boîtes, donc du CAC 40, euh, mais pas que. Euh, et beaucoup voilà, dans l'industrie et dans la prévention. Euh, voilà, si, vous voulez, euh, si vous avez des questions, euh, je serais ravi d'y répondre. Il y a des questions Je peux répondre aux questions ensuite sur le stand 40 au plus timide. Eh ben, je crois qu'on va faire comme ça. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.